aujourd'hui, je vais faire la paresse dans les 7 péchés capitaux. Je dirais pas que je suis paresseuse, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis hyper active et il y a des jours où pas du tout, où j'ai envie de rien faire. Aujourd'hui, j'avais envie de rien faire, mais comme j'ai rien fait pendant quelques jours, je vais quand même faire. Alors, j'ai juste fait une base de teint juste pour pas que ça soit trop dégueu, mais bon, au final, on s'en fout un peu. Et je vais prendre du fard gras, je vais prendre différents fards gras. Alors j'en ai pris du blanc et j'ai pris différents fards gras que j'ai de chez Criolan, qui sont comme ça. C'est les fards Death, Corpse 2 et Creature Feature. Alors j'ai pris une éponge comme celle-ci, c'est une éponge en latex toute basique. Et j'ai fait des trous dedans. Si vous voulez faire des textures pour votre visage, enfin texture quoi qu'il en soit, des éponges en latex dans lesquelles on fait des petits trous, c'est génial. Bon, et du coup, je vais venir utiliser plusieurs fards. Je vais commencer par du fard blanc. L'idée, c'est d'avoir un teint un peu plus blanc, mais pas blanc, blanc, blanc. Et avec les autres couleurs, on va venir rajouter de la dimension. Là, je vais venir prendre, je pense, alors je vais venir prendre ces deux violets, un dans chaque palette, et les deux verts. Et je vais prendre le marron pour faire pour accentuer les creux de mon visage. Enfin, moi j'ai pas de creux, je vais les créer du coup. L'idée, c'est d'être un peu aussi un peu crade, parce qu'on n'a pas forcément envie de se laver quand on est en paresseux. Moi perso, c'est un truc que j'ai jamais fait, vraiment ne pas me laver pendant plusieurs jours, c'est mort. Même pendant ma phase dépression où je suis restée au lit pendant un mois, je me levais juste pour me laver. Parce que même ça, même en voulant mourir entre guillemets, c'était pas concevable. Je vais prendre la palette Lunatic Cosmetics, la Super Naturale. Alors je vais passer en premier avec une teinte marron froide sur les yeux. Je vais venir accentuer ma poche sous les yeux. Donc pour ça, il faut bien passer ici, ça fera des cernes en fait, mais en accentuant la poche, ça fera encore plus. Hop, comme ceci. Et il faut utiliser quelque chose de beaucoup plus blanc à l'intérieur, donc là je vais prendre un fard gras, ça sera le plus simple. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez creuser une zone, vous l'assombrissez, à chaque fois que vous voulez la faire ressortir, vous l'éclaircissez. C'est un peu comme les techniques de vieillissement en fait. En gros, ça va être ça vraiment un peu partout. Hop. Bon, pareil, je vais faire mon cerne. Exactement le même principe, là, la poche, je veux qu'elle ressorte. Alors, on prend une couleur plus claire que sa peau, ça peut être du blanc, du beige, et on repasse. Je vais faire pareil avec mon sillon nasogénien. Euh,
Après, je vais prendre la palette du Huda Beauty, la améthyste, pour prendre du violet. Je vais prendre celui-ci, donc pas trop violet non plus. Et je vais repasser ici. Là, je vais prendre le violet un peu plus foncé pour repasser sous l'œil. Et je vais faire aussi pareil sur la bouche. Alors la bouche, moi, j'ai passé du fard dessus. Pour la blanchir, vous savez, comme quand on est malade et tout ça. Je vais reprendre mon violet et mon marron, enfin mon beige, et je vais venir faire des stries dans la bouche. Je vais suivre les stries de ma bouche. Et je vais faire pareil avec le violet foncé du coup. Je vais pas faire avec du noir parce que j'ai peur que ça soit trop noir, mais... Et même principe, comme j'ai mes... Comment on dit? Comme j'ai mes zones creuses, et ben je vais passer du blanc sur mes zones bombées. Pour sortir, refaire sortir le reste. Là, vous pouvez faire l'effet avec du collodion, mais perso sur la bouche, j'ai pas envie que ça me fasse mal à la bouche, alors je le fais pas. Mais c'est faisable. C'est juste que le collodion, ça peut être dangereux entre guillemets. Je vais recreuser un peu plus mes joues avec mon fard violet aussi. Du coup, pour la lèvre, bah, je vais aussi accentuer l'intérieur. J'ai pris le MAC Witching Hour. Je sais pas s'il existe encore, c'était la collection avec Brooke Candy. Voilà en gros pour la base. Après, c'est un petit peu comme on veut pour la suite. Dans cette vidéo, vous allez apprendre deux choses un peu gênantes sur moi. La première, c'est que quand j'étais gamine, je pensais que le marchand de sable, il jetait vraiment du sable de plage dans les yeux des enfants pour qu'ils s'endorment. Et du coup, j'avais peur de lui. Parce que je me disais que ça devait faire mal. Du coup, il était super méchant. Et pour arrêter d'avoir peur de lui, je me suis dit, mais non, comme il vole et tout, en fait, il attrape des étoiles et puis il lance de la poussière d'étoiles. Du coup, je vais faire ça, je vais faire des genres de larmes avec de la poussière d'étoiles. Et deuxième chose gênante, ça c'est encore pour aujourd'hui, quand je suis très fatiguée, je bave quand je dors. C'est glamour, hein. Du coup, je vais me faire de la bave un peu. J'ai utilisé du volume Creator que je vais mélanger avec des pigments. Alors, donne-moi un pinceau pas trop gros. Donne-moi ça. Je vais prendre les Reflect Pearl de chez MAC. Je crois que c'est des MAC. Je sais pas s'ils existent encore parce qu'ils avaient changé tous leurs pigments eux aussi. Et je vais mélanger les deux.
j'utilise pas souvent ce truc parce que je le trouve assez difficile à utiliser quand même. Je vais prendre du fard à l'eau blanc avec un goupillon. Alors, je voulais mettre du fard à blanc dans les yeux aussi, ça marche pas. Du coup, je vais mettre mon mascara blanc. Plus de batterie, je vais mettre une perruque, je vais mettre les lentilles si j'y arrive pour finir le look. Voilà, ces lentilles ne me manquaient absolument pas parce que je suis totalement aveugle avec, je vois vraiment rien, je vois ma lumière et là je vois un peu mes pinceaux et tout, mais voilà. Donc voici la paresse. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire vous quel est votre péché capital et je vous dis à demain.